pense que Dembélé manque un petit peu de réussite. Colomwani a du mal à digérer le poids de son transfert. Il l'a d'ailleurs reconnu publiquement dans une interview donnée à une radio périphérique. En revanche, il y a des signaux alarmants pour d'autres secteurs. La défense, par exemple. Marquinhos, on sait que c'est un capitaine en grand danger d'excès dur. Bon, ça, on le sait depuis des années et ça se poursuit. Donc ça, je vois pas de progression, je vois pas de métamorphose qui puisse arriver. Hakimi, on sait qu'il est plus à l'aise avec le ballon que sans. Bon, hier, Léao, il en a fait son petit déjeuner. Skriniar, on avait des doutes sur son état avant qu'il arrive. Il a marqué quand même. Oui, d'accord, mais c'est parce qu'on lui demande. On lui demande de défendre, il l'a mal fait. Et c'est pas la première fois qu'on le voit en difficulté. Et plus le niveau s'élève, et plus il est en difficulté. Donc, moi, la défense, c'est le secteur qui me paraît le plus problématique. Tu peux rajouter Nuno blessé longtemps, et Lucas Hernandez, qui en général ne fait pas des saisons complètes. Donc, jamais il se pète, ça peut rajouter un souci. Donc, c'est vrai qu'hier, la défense, la charnière centrale parisienne, elle a énormément souffert face à Olivier Giroud, notamment en termes de duels, que ce soit au sol ou même les duels aériens. C'est catastrophique de la part des défenseurs centraux parisiens. Marquinhos, c'est 7 duels disputés, seulement 2 gagnés au sol. Dans les airs, il en a gagné que 25%. Skriniar, il a gagné aucun duel aérien hier face à Olivier Giroud. Et puis il y a une image nous qui nous a marqué hier pour Milan Skriniar. Souvenez-vous du but encaissé face à Newcastle, le but de Burn sur la droite exactement de votre écran, eh bien c'est le même quasiment qu'il l'encaisse face à Olivier Giroud. Voilà, il se fait dunker dessus dans sa surface de réparation, trop passif malheureusement pour le défenseur slovaque parisien. Ça c'est pour la défense. J'ai l'impression que Pierre Boubi, c'est peut-être plutôt l'attaque. Non. Ah, c'est qui? Non, c'est et je vais même un peu plus loin, je vais pointer Marquinhos même. Parce que je trouve qu'il déteint sur tout ce qu'il y a autour de lui. Je regarde un petit peu. Enfin, hier, j'ai regardé le match et j'ai regardé à peu près toutes les actions où, en fait, il a une attitude d'un joueur qui fait que reculer sur le but de Léao. Il y a que Léao qui est sur le qui-vive. Lui, il se contente de reculer, se mettre dans le but comme s'il pouvait faire quelque chose. Il évite constamment les duels. Je trouve qu'il y a, il y a plusieurs actions où il est très bas par rapport aux autres. Je trouve qu'il transpire ça et je trouve que ça se diffuse aussi autour de l'équipe. Alors c'est vrai que sur les duels, Skriniar n'est pas au point. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué pendant 6 mois avant d'arriver au PSG. Alors je dis pas que c'est... je ne vais pas lui trouver d'excuses, mais je trouve que même en tant que capitaine, Marquinhos n'est pas quelqu'un qui va révolter l'équipe, n'est pas quelqu'un qui... C'est le gentil garçon, c'est un mec qui est exemplaire, mais il ne va jamais diffuser quelque chose de hargneux, de guerrier. Je pense que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il est là. Et pour son bien et pour celui de PSG, je pense qu'ils partent vite. Rester dans un club très longtemps, c'est très compliqué. Encore plus quand t'es mis dans un fauteuil constamment et que t'es chouchouté parce que tu poses zéro problème dans un vestiaire et auprès de la direction. Je pense qu'il est temps pour lui de partir et qu'il soit remplacé. Et j'ai très peur pour lui au moment où justement Nuno Mendes va revenir, où Lucas Hernandez va venir et que Skriniar va se décaler sur le côté droit. À mon avis, on va pas le revoir beaucoup. La défense pour Pierre Boubi, la défense pour Bertrand Latour. Est-ce que quelqu'un va me dire l'attaque? Je ne sais pas. Je vais aller voir Giovanni Castaldi qui était au match hier à Milan. Quel secteur pour toi t'inquiète le plus, Joe? Franchement, je suis désolé, ça sera pas l'attaque. Pour moi, c'est le milieu. Avant de parler 30 secondes du milieu, je voudrais juste appuyer sur ce que vient de dire Pierre Boubi sur le côté leader. Hier, celui qui a le plus harangué ses partenaires, c'est Ousmane Dembélé. Absolument pas Marquinhos dans plusieurs moments chauds, notamment en seconde période, quand 2-3 joueurs s'agaçaient des mauvais choix et des autres. Il encourageait tout le monde à avoir une attitude positive. Mais encore une fois, le capitaine parisien était aux abonnés absents. Non, moi, je trouve que c'est le milieu parce que par rapport à tout ce que veut mettre en place Luis Enrique, la hauteur de la ligne de récupération est essentielle. Et quand hier, quand Ugarte n'arrive pas à récupérer les ballons dans le camp adverse et qu'ils se font transpercer, et derrière c'est très compliqué pour tous les défenseurs. Quand on est aussi haut en 1 contre 1, c'est difficile. Alors peut-être que les profils des défenseurs en place n'aident pas toujours, mais j'ai l'impression qu'à part Warren Zaïre-Emery qui est fantastique, il n'y a que des milieux moyens. Il n'y a pas forcément des milieux qui sont rapides pour aller chercher haut, je pense à Fabian Ruiz. Et si jamais Zaïre-Emery n'est pas là, on peut se retrouver avec Vitinha dans l'axe. Je le trouve toujours pas convaincant quand il doit jouer à deux. On l'a vu notamment sur la seconde partie de saison l'an passé. Donc je suis très inquiet par ce secteur-là. Et hier, honnêtement, ils se sont fait désosser dans le cœur du jeu. Loftus-Cheek, il a fait un massacre. Et c'était aussi le cas à St James Park où Guimarães leur avait fait un mal monstrueux.
certaines personnes sont déjà en train de se poser si Luis Enrique est vraiment l'homme de la situation au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. On va essayer de répondre à la question de savoir est-ce que Luis Enrique c'est vraiment l'homme de la situation du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Luis Enrique est arrivé du PSG. Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier et Luis Enrique est venu faire franchir un cap au PSG en Ligue des Champions. Luis Enrique est venu au PSG pour mettre le ménage. Je vous rappelle que lorsque Christophe Galtier était au PSG, franchement, le PSG était sans queue, sans tête, sans rien, 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 rien. C'était presque le bazar, surtout en deuxième partie de saison. En première partie de saison, ça tenait un peu la route juste avant la Coupe du Monde. Ça tenait un peu la route. Dès que la Coupe du Monde est passée en janvier, c'était catastrophique. Catastrophique, ce PSG. Du coup, donc, Luis Enrique arrive. On vit Messi. Bon, je ne sais pas si on a viré Messi. Je ne sais pas si c'est Messi qui a choisi parti ou bien c'est le PSG qui a viré Messi. Ça, on n'en sait pas. Mais bref, Messi est parti. Neymar est parti. Et Marco Verratti est parti. C'est un joueur. C'est le PSG qui fait venir, à l'occurrence, Colomani. Luis Enrique approuve. Il approuve la venue de plusieurs joueurs du PSG. Il approuve le recrutement. Lorsqu'il approuve donc le recrutement, tout le monde est content que non, on a pris Luis Enrique. C'est le seul entraîneur que le PSG a pris d'expérience après Carlo Ancelotti parce qu'on estime qu'il a remporté la LDC, il a remporté la Ligue des Champions. Sauf que après une défaite, les gars, contre le Milan, la plupart des personnes commencent déjà à remettre en question le travail de Luis Enrique. Ils estiment que non, ce n'est plus l'homme de la situation, on doit le virer, nanana, nanana. Les gars, n'exagérez pas. Ce n'est pas parce qu'il a perdu contre le Milan que tout d'un coup, on va remettre son travail en question, les gars. Ce n'est pas parce qu'il a perdu contre le Milan en championnat. Il a un point de Nice. En Ligue des Champions, il est deuxième à un point de Dortmund. Donc, il n'y a pas vraiment urgence, plus. Jusqu'ici, il est quand même en ballotage, je pense, favorable, les gars. Il est quand même en ballotage favorable. On voit des choses, on voit du jeu. Sous Galtier, sous Christophe Galtier, le PSG reposait beaucoup sur ses stars. Il n'y avait pas de fond de jeu. Il n'y avait absolument rien. On voit des choses sous l'air Luis Enrique. On voit des belles combinaisons. On voit un vrai fond de jeu. Le PSG est séduisant dans le jeu. On voit une vraie rotation dans l'effectif. À l'époque de Christophe Galtier, ça tournait très peu. Il y avait les trois de devant et le reste. On voit comment Luis Enrique fait beaucoup tourner son effectif. Le PSG a vraiment un vrai fond de jeu sous l'aile Luis Enrique. Donc moi, je pense que les amis, je pense qu'on doit laisser du temps à Luis Enrique de bosser. On doit lui laisser du temps. Et moi, je vais aller même plus loin. Même s'il se plante cette saison, pour moi, on doit laisser du temps à Luis Enrique. Souvenez-vous, quand Pep Guardiola est arrivé avec Manchester City, la première saison, c'était catastrophique. Manchester City n'a rien gagné. C'était catastrophique. Mais les dirigeants ont fait confiance à Pep Guardiola. Et on connaît le résultat aujourd'hui. Pep Guardiola, c'est 6 Premier League. Je n'en parle même pas de FA Cup, de la Coupe de la Ligue, une Ligue des Champions. Bref, un palmarès long comme le bras. Donc moi, je pense qu'on doit faire confiance aux entraîneurs. Le PSG doit laisser les entraîneurs bosser sur le long terme. Je prends aussi l'exemple de Mikel Arteta. Mikel Arteta, lorsqu'il est arrivé, à moins I, on le limogeait, mais Arsenal lui a fait confiance. Arsenal lui a donné les clés du camion. Et aujourd'hui, Arsenal a vraiment une équipe très difficile à battre. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que Luis Enrique va mettre tout en place. Pour moi, on doit laisser du temps à Luis Enrique, les gars. On doit laisser du temps à Luis Enrique. Ce n'est pas parce qu'il a perdu contre le Milan qu'on va remettre tout en question. Non, il faut arrêter, les gars. Donc, moi, je pense que Luis Enrique, même s'il se plante en huitième de finale, même s'il ne passe même pas les poules, pour moi, on doit laisser une deuxième saison à Luis Enrique. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait.
N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sera à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.